Ok les gars, nouvelle boutique du 27 avril 2023. Pour qui n'hésite pas à utiliser le code créateur LEN 3 lettres 3 secondes. Merci aux 1100 personnes qui l'ont mis dans la boutique d'hier. Alors du coup les gars, aujourd'hui j'ai... Ok, c'est bon, je me suis emballé, c'est bon les gars, je me suis emballé. Il y a du coup le pack de casiers de Tabor's Hill, et en fait, il y avait un item que j'avais pas, du coup, je me suis dit à tout moment, c'est un item super rare, mais en fait, il est un peu rare, mais c'est pas non plus l'item de l'année. Bref, donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des informations concernant la prochaine saison de Fortnite. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas de vidéo sur la chaîne principale, il n'y a que des shorts, mais je suis quand même un petit peu l'actualité. Et du coup, il faut savoir que... on a justement la saison prochaine une saison qui est basée, on aura une biome de jungle, justement en fait c'est l'inverse justement je crois du chapitre 1 si j'ai bien compris, donc en fait au niveau des thèmes et tout ça, et donc la saison 8 justement du chapitre 1 c'était sur le thème un petit peu jungle et tout ça, et donc apparemment la prochaine saison va receler la collaboration entre Fortnite et One Piece. Les gars vous le savez, je vais pas vous montrer mon fond d'écran d'ordinateur, est-ce que je vous montre mon fond d'écran d'ordinateur, j'ai peur de vous spoil, donc je vais pas vous spoil. Mais ceux qui ont déjà vu en live mon fond d'écran d'ordi, vous savez c'est quoi One Piece, les gars, c'est pour moi le meilleur manga, bien sûr. Donc du coup, ça fait des années que je le suis, ça fait genre depuis 2011. Donc du coup, s'il y a cette collab, ce serait incroyable. Dites-moi votre avis dans l'espace commentaire, est-ce que vous aimeriez que ça se fasse, oui ou non. Mais là, apparemment, il y a vraiment beaucoup de chances pour que ça se fasse la saison prochaine. C'est vrai qu'après avoir fait Naruto, après avoir fait deux vagues de collab avec Dragon Ball, bon, frérot, au bout d'un moment, nous, on veut One Piece, quoi. Tu vois, on aime bien Naruto, on aime bien tout ça, mais One Piece, c'est mieux, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc j'ai plutôt hâte, ce serait vraiment une énorme annonce. Alors du coup, pour cette boutique, en vrai, il n'y a rien de transcendant, hein, on va pas se mentir les gars. Du coup, on va passer à la partie quotidienne, on commence, ok, clac, le skin Marius, petit outil de collecte, petit revêtement et du coup, deux danses comme d'habitude. Je trouve ça bien maintenant dans la partie quotidienne, à chaque fois ils mettent un outil de collecte, un revêtement, deux danses. Je trouve que c'est mieux qu'avant quand des fois ils mettaient genre quatre danses. Du coup, c'était souvent les mêmes danses qui revenaient, bon même si là au final c'est toujours deux danses quand même qui reviennent. Mais je trouve ça quand même un petit peu mieux. Du coup, on a toujours Coachella qui est disponible. Ok, qui vont pas tarder à partir. Les différents packs, pas de nouveautés. Et le club de Fortnite. Cliquez si pour visionner mon dernier short. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonne journée à tous. Peace.